Mesdames, Messieurs, bonsoir. Euh, pour terminer la saison automnale, terminée aussi juste avant la période des fêtes, euh, je me fais un cadeau. Je reçois le président de l'Union des producteurs agricoles, quelqu'un que vous connaissez, un petit gars de la place, Marcel Groslot. Bonsoir, Marcel. Bonsoir. Merci beaucoup. Félicitations, Monsieur le président général. Je viens d'apprendre que vous, vous étiez le président général. Oui, c'est ça. Euh, tu été réélu euh, ouais. quoi? Ça fait deux <coughs> ben, ans. Le... Ben, en fait, officiellement, euh, j'entreprends ce quatrième mandat le, le 7 décembre. Depuis le oui, 7 décembre. C'est ça. Mais je, comme il n'y avait pas d'opposition, euh, ben, c'était connu que j'allais être le, le, le président après le 7 septembre. Décembre, là, depuis, depuis peut-être euh, fin novembre. Là. OK. Alors, ouais. c'est le quatrième mandat consécutif. Oui, c'est ça. Sans prendre, opposition. Sans opposition. Euh, c'est un mandat de combien d'années? Deux ans. C'est des de mandats de deux ans. Deux ans, ouais, deux, ans ça. deux ans. C'est ça. Est-ce est Est que le président a l'intention d'aller fêter dix ans? <laughs> euh, pas pas aujourd'hui. Comme je dit aux délégués et aux producteurs, c est, c est, là, vraiment, c'est deux ans à la fois. Là, parce que faut voir comment les choses vont évoluer. Puis... Euh, se, se, se préparer, de toute façon, on ne fera pas 20 ans à la présidence de l'Union. Non, hein? oui, C'est ça, c'est ça. Euh, puis l'année 2017 a été une année assez rock'n'roll, hein? Les années 2016, euh, l'année 2016 pour moi a été la plus difficile. Oui. Parce qu'on euh, avait un ministre de l'Agriculture qui euh, ne communiquait pas avec le milieu agricole, ni avec le milieu agroalimentaire. Euh, C'était très difficile de travailler avec le gouvernement. Euh, C'était M. Paradis, vous vous en souviendrez. Ouais. Puis, euh, bon, il a quitté au mois de janvier, fin janvier, puis là, Laurent Lessard l'a remplacé. Et depuis que c'est M. Lessard, euh, c'est beaucoup plus facile. Puis là, ben, on peut travailler. On travaille sur des dossiers, on fait avancer des choses. Euh, il y a une belle synergie qui s'est développée. Là. Et, et le fait là, que vous soyez deux gars de la même place, ouais. là, que, que vous vous connaissiez mm. avant, est-ce que c'est un plus? Ça? Ah, oui, parce qu'on se, on se connaît suffisamment pour se faire confiance. C'est ça. Euh, c'est pas, à... pas uniquement une, une, une relation basée sur le professionnel. On, on se connaît. Là. Alors c'est sûr que, mais en même temps, euh, chacun, on a un travail à faire pour les gens qu'on représente. Là, là Monsieur Lessard le fait pour le gouvernement, moi je le fais pour l'UPA. Mais on a les mêmes objectifs, c'est de faire avancer le secteur agroalimentaire au Québec. Là. Oui. Mm. Justement, parlons-en du congrès là, qui a eu lieu oui. quoi, les 5, 6, 7, 5, quelque 6, chose? 6, 7 euh, décembre. Ben, en tout cas, Donc, au début docteur, dernière, Au la début de décembre. C'est ça. Donc, euh, on fait tous partie de la recette? Oui, c'est ça. En fait, on a vu en début d'année, lorsqu'on a commencé à avoir ben, le travail qui s'est fait autour de la politique bioalimentaire. Ce, ce travail-là commence en 2016. Ça a été lancé par Monsieur Paradis. Puis là, il y avait eu un sommet en novembre 2016, un, un sommet plutôt un rendez-vous où les consommateurs étaient conviés à s'exprimer sur une future politique bioalimentaire. Et après ça, il y a eu en février un rendez-vous des, des transformateurs et des distributeurs, et en mai un rendez-vous des producteurs agricoles. Donc il y a eu trois rendez-vous et euh, qui ont mené au sommet que M. Lessard a tenu le, le 17 novembre dernier. Donc nous, en début d'année, pour lancer un message, on a dit, pour que ça fonctionne, une future politique bioalimentaire, il faut que tout le monde y participe, il faut que les consommateurs soient partie prenante de cette politique-là, il faut que le gouvernement s'engage, il faut que les producteurs, on livre la marchandise. Donc on a dit, il faut un, un slogan de ralliement, ça serait quoi? Puis c'est devenu On fait tous partie de la recette. Parce que la recette, ben c'est très alimentaire hein, comme terme. Oui, la ben recette. Oui. Pour, on peut parler de recette monétaire, mais lorsqu'on parle de recette, on pense tout de suite à aliment, à cuisine. Alors, on fait tous partie de la recette. Mais ben, c'est que chacun est un ingrédient dans cette recette-là pour qu'on la réussisse. Alors, c'est ça le slogan On fait tous partie de la recette. Justement, euh, vous avez profité du congrès, oui. euh, l'UPA, pour euh, remettre à M. Lessard, au ouais. ministre de l'Agriculture, c'est un plan agricole ambitieux ouais. en vue de la future politique euh, bioalimentaire québécoise. Mm. Ambitieux, dans quel sens? Ambitieux parce que le, le ministre lui-même, son équipe, ont proposé des cibles de croissance d'ici 2025. Alors, des cibles au niveau de l'investissement sur les entreprises agricoles, puis les, les entreprises de transformation alimentaire. Donc, euh, en 2006 et 2015, euh, le secteur agroalimentaire a investi 12 milliards de dollars. Et la cible d'ici 2025, c'est 15 milliards de dollars. Donc, c'est plus 3 milliards d'investissements. Ça, c'est pour nous, c'est intéressant parce qu'on va moderniser nos, nos entreprises ou on va développer des nouvelles entreprises, mais c'est intéressant. Après ça, ajouter 10 milliards de contenu québécois dans les aliments achetés au Québec. Oh. Donc, ça, c'est aussi très ambitieux. Et la dernière cible, c'est au niveau des exportations c'est d'augmenter de 6 milliards les exportations agroalimentaires. Actuellement, elles sont de 8 milliards. Donc, ce n'est pas tout à fait doublé, mais c'est presque doublé oui. nos exportations. Donc, ça, c'est les trois cibles que le gouvernement estime qu'on peut rencontrer d'ici 2025 si on a, si on nous, on dit si on s'en donne les moyens. Alors là, on a donc déposé euh, au ministre Lessard un plan agricole pour soutenir sa politique alimentaire. Et c'est au Congrès de l'UPA, c'est ce qu'on a fait. Et euh, on me dit ici que euh, le dépôt de la politique bioalimentaire québécoise est prévu pour le printemps. Oui, c'est euh, ça, en février. En février? C'est ce que M. Lessard nous a dit, en fin février. Donc euh, oui. c'est à ce moment-là que vous, vous allez savoir bien, nous, on si veut, les on... <laughs> bottines pêchent les bébés. C'est ça, nous on dit, si on veut réaliser ça, il faut soutenir l'investissement ou stimuler l'investissement sur les fermes, notamment pour rencontrer <laughs> les exigences au niveau du bien-être animal et au niveau de l'agro-environnement aussi. Au niveau du bien-être animal, le problème qu'on rencontre, c'est que le, le marché de la viande est nord-américain. Donc, euh, les investissements ici qu'on fait pour euh, donner plus d'espace aux animaux dans les, euh, dans les élevages, c'est des coûts, euh, tant au niveau des opérations qu'au niveau de la construction. Et ces coûts-là, actuellement, on ne peut pas les transférer au marché. Parce que le marché de la viande est nord-américain. Puis aux États-Unis ou en Amérique du Sud, ils n'ont pas ces mêmes exigences-là que les consommateurs ou les citoyens québécois. Alors, quand moi j'agrandis et que j'ai des coûts qui s'ajoutent, si je ne peux pas les transférer au marché, je deviens non rentable. Alors, il faut que le gouvernement soutienne ces investissements-là. Euh, mais si on le fait maintenant, probablement qu'en 2025, on aura un avantage sur le marché parce que ça va devenir de plus en plus une pratique exigé tant par les McDonald's de ce monde que par nos distributeurs d'avoir des aliments qui proviennent de fermes qui respectent le bien-être animal. Alors il faut oui. investir. Ça, ça, ça prend un soutien. Nous, on dit le plus 3 milliards, c'est sûr que juste là, il y a beaucoup d'argent à investir. Il y a beaucoup... Puis c'est frappant, là, depuis mmh. quelques mois, à la télévision, mmh. dans les publicités des chaînes de restauration ouais. rapide, on se vante de dire produits 100 québécois et canadiens. Ouais. Est-ce que c'est ça? Que... ça c'est là que les consommateurs, les chaînes répondent aux attentes des consommateurs de plus en plus. Ils, les consommateurs veulent des produits locaux veulent des produits euh, qui respectent l'environnement, le bien-être animal. Alors, la pression est sur le sec les secteurs, mais il y a des endroits comme l'Australie, par exemple, où pour eux, c'est facile de respecter les règles de bien-être animal, puisque les animaux sont dehors 12 mois par année. Ouais. Alors que nous, ici, on est obligé euh, de, 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 ben, de protéger les animaux l'hiver en les, en, les, en les mettant à l'intérieur. Alors, c'est sûr que ça. Pour nous, c'est des coûts supplémentaires. Hmm. Lors du Congrès aussi, il a été question euh, d'inviter le gouvernement à agir rapidement au chapitre de la fiscalité foncière agricole. Ah. Peut-être que je reviendrai sur le plan oui? ah, okay. qu'on passe à Le plan, c'est ça, c'est les investissements. Après ça, c'est au niveau de la gestion des risques en agriculture. Les prix, euh, les prix des denrées agricoles sur les marchés nord-américains ou mondiaux varient beaucoup. Parce qu'il s'agit qu'un pays, comme un, un continent comme l'Amérique du Sud, produise plus parce que les récoltes sont bonnes, les prix du maïs s'effondrent. Ou les États-Unis, ou l'Europe. Donc, c'est sûr qu'il y a une variation de plus en plus importante des prix des denrées agricoles. Donc, il faut protéger les agriculteurs québécois contre ces variations-là. Parce que c'est des accidents du marché quand ça arrive. Ce n'est pas parce que les producteurs québécois sont moins bons, c'est parce qu'il arrive une surproduction, les prix s'effondrent. Mais toi, si tu veux continuer à, à opérer, il faut que tu sois capable de traverser ces périodes-là. Donc, des meilleurs programmes de gestion des risques, tant au niveau des prix des marchés qu'au niveau de l'assurance récolte des intempéries, qui elles aussi augmentent avec le réchauffement climatique. Oui. L'été passé, on a eu une saison particulièrement difficile. Là. Plusieurs périodes de grêle euh, importantes à travers tout le Québec. Même au lac Saint-Jean, ça a détruit des récoltes complètes. Euh, des inondations des pluies abondantes, des inondations dans le sud du Québec. Et au printemps dernier, on a eu une sécheresse qu'on n'avait pas connue depuis longtemps dans toute la partie est du Québec, Bas-Saint-Laurent, aller jusqu'en en Gaspésie. Donc, c'est des phénomènes sur, sur lesquels les producteurs n'ont pas le contrôle non plus. Là. Alors, il faut donner des régimes d'assurance qui permettent de traverser ces périodes-là. Alors, gestion des risques en agriculture, euh, investissement et en agro-environnement. Nous, on demande un plan agroenvironnemental sur 10 ans. Parce qu'en agro-environnement, ce que je fais aujourd'hui, les résultats vont être visibles que dans quelques années, au niveau de la nature, au niveau de la préservation de la nature. Ce n'est pas instantané. Si je change mes pratiques agricoles, je ne verrai pas demain le résultat, tout de suite. Donc, il faut se donner un plan sur au moins 10 ans pour que les producteurs puissent acquérir des nouvelles connaissances, les appliquer et voir les résultats. Et si on. on, on, on donne plus de connaissances aux agriculteurs, bien, les pratiques vont être durables. Alors que si on, on ne fait que former des spécialistes, mais qu'on ne forme pas les agriculteurs, mais quand le spécialiste est parti ou n'est pas là, euh, l'agriculteur revient à ses pratiques. Donc, c'est du transfert de connaissances vers les agriculteurs. Donc, quand on parle d'un plan ambitieux, c'est ce qu'on veut dire. Bon. Hum. Je reviens oui. à la fiscalité. Vous demandez au gouvernement d'agir rapidement au chapitre de la fiscalité ouais. foncière agricole. Pourquoi Et qu'est-ce qu'il a... ben, doit avoir un problème là ben En fait, la... les terres sont un euh, bien taxable au Québec. On a décidé que les terres agricoles étaient taxables. La valeur des terres. Euh, dans certains pays, on ne taxe pas les terres agricoles. Ou dans certains pays. On, on plafonne ou on, on, le taux de taxation et la valeur taxable des terres agricoles. Parce que les terres agricoles, c'est un bien de production. Ce n'est pas juste une immobilisation. C'est un bien de production. Une maison, euh, c'est une immobilisation, maison unifamiliale. Euh, les blocs, par exemple, des blocs appartements, ça devient un bien de production. La taxation est un, peut être différente. Alors, nous, on, il y a un problème au Québec qu'on a corrigé par un programme de crédit de taxes foncière agricole. Donc, on taxe, on laisse les municipalités taxer les terres, puis le gouvernement arrive avec un programme, puis il rembourse une partie de ces taxes-là aux municipalités pour soulager le producteur du fardeau fiscal. Oui. Ce programme-là, en 2007, les coûts du programme pour le gouvernement étaient de 60 millions. En 2017, ça va être au-dessus de 150 millions. C'est quasiment le triple. C'est ça. Donc, et ça, ça, de 60 à 150, c'est 70 à peu près de la valeur des taxes. 70-72 Donc, si ça a triplé pour le gouvernement, ça la même a aussi chose triplé pour le, pour le producteur. Et là, les taxes foncières agricoles dans certains secteurs sont devenues un des éléments importants du coût de production de Bien la oui, ferme. Oui. Et ça capte. De plus en plus, une part importante du revenu net dégagé par les entreprises agricoles. Alors, on dit que le programme est rendu à sa limite. D'ailleurs, M. Monsieur, monsieur Lessard l'a aussi déclaré. Le programme est rendu à sa limite. Il faut changer le programme. Et nous, ce qu'on suggère, c'est de plafonner la valeur taxable des terres. Parce qu'une terre qui se vend, par exemple, euh, euh, 8, 9, 10 millions de dollars, parce qu'elle est située autour de Montréal, puis que l'acheteur, c'est un spéculateur qui, lui, un jour, estime que cette terre-là va, euh, va, va être utilisée à d'autres fins que l'agriculture. Là, il va la vendre au pied carré. Là. Il la vendra ouais, pas il à l'état va hectare. la morceler, oui. Voilà, c'est ça. Donc, lui, il achète des terres. Puis les, les transactions des terres agricoles, c'est ce qui sert à établir la valeur taxable des terres pour le prochain rôle d'évaluation. Alors, prenons les terres des Sorts de la Charité à Québec. Là. Ouais. Ils valent 200 000 L'hectare. Alors c'est sûr que les fermes à côté, il y a une ferme à côté qui, est des proto, les autres la, la valeur de leur terre a explosé. Elles vient de grimper. Et à un point tel que les taxes les mettaient en faillite. Alors il y a un problème avec notre ouais, système ouais, de ouais, taxation ouais. des terres agricoles au Québec. Et là on dit au ministre, ça prend, ça prend une réforme de ce programme-là. Il Faut plafonner la valeur taxable des terres et, et il faut plafonner le taux maximum de taxation des terres agricoles. Et euh, là, on a commencé des discussions avec le MAPAC. Puis, euh, ça aussi, on veut que ça se règle rapidement au début de 2018. Il nous reste dix minutes, euh, Marcel. Oui. J'aimerais ça qu'on parle de l'ALENA. Oui. Hein? oui. Euh, tu as participé à certaines rencontres au mois d'octobre. Oui. Et, oui. euh, et quand le gouvernement euh, américain a déposé ses demandes, toi, tu as dit, les demandes sont extravagantes et... Entièrement inacceptable. Ça. Euh, ça touche là les domaines, euh, euh, ben, les, la... le volaille, le lait, la volaille, ben, les œufs, entre autres. Ça. Là. En fait, les Américains, euh, il y a deux, euh, le, il y a le US Trade qui est le, le département du commerce américain qui est responsable de cette négociation-là, mais eux reçoivent des commandes de l'administration Trump. Alors, il y a deux volets à la négociation. Améliorer l'ALENA la, pour qu'il y ait une meilleure fluidité des biens et services entre les deux pays. Ou entre les trois? Ben, entre les oui. trois, c'est oui. sûr, c oui. ce que je comprends. Là. Mais là, je prends l'exemple pour le Canada. Canada, entre le Canada et les États-Unis. Oui. Ça, euh, ce volet-là va bien parce que les gens du US Trade Department, ils ont. Ils ont une approche pragmatique, ils connaissent les problèmes, le Canada aussi, donc euh, il y a des bonnes discussions. Mais lorsque arrivent les demandes de l'administration Trump, là, ça déraille complètement. Euh, par exemple, je, je vais donner quelques exemples avant d'aller au secteur agricole, dans le secteur des règles d'origine. Les règles d'origine, c'est ce que les Américains exigent de contenu américain pour qu'un produit se vende aux États-Unis sans tarif, s'il provient du Canada ou du Mexique. <coughs> Actuellement, dans l'automobile, c'est euh, 50 Les règles d'origine, c'est 50 Et les règles d'origine s'appliquent aux trois pays. Alors, s'il y a 50 de contenu qui provient du Mexique, il est vendu sans tarif aux États-Unis. Et, et, et c'est la même chose pour le... Là, il veut introduire une nouvelle mesure. C'est qu'il faudrait que la règle d'origine, là, ça soit... Euh, Maintenant, 50 de produits américains pour qu'ils soient vendus aux États-Unis sans tarif. Donc euh, là, ça, ça vient mettre à mal l'industrie automobile au Canada, éventuellement, et euh, au Mexique. C'est sûr que les, in, les entreprises n'investiront pas au Canada si ces règles-là vont se mettre. Ils ne vont pas fermer leur entreprise maintenant. Mais quand ils vont choisir où je devrais investir, bien, ils vont investir aux États Unis. Alors, c'est une façon d'attirer chez lui les investissements au détriment du Mexique et du Canada. Ouais. Euh, dans les contrats publics, c'est la même chose. Il restreint l'accès au Canada. Puis dans l'agriculture, c'est surtout sur les productions sous gestion de l'offre. Il veut l'abolition des tarifs hors contingent dans ces produits-là, ce qui entraînerait la fin de la gestion de l'offre au Canada. Et là, bon, naturellement, on serait inondé de produits laitiers, d'œufs et de volailles américains. Parce qu'ils ont, ont des fermes, les dimensions des fermes là-bas. Un producteur d'œufs aux États-Unis peut fournir le Canada au niveau de la, à lui seul. À lui seul. Ouais. Quand alors, on parle de gestion de l'offre, ouais. rapidement, c'est quoi au juste? La gestion de l'offre, c'est qu'ici, au Canada, on a des tarifs pour limiter les importations de lait, de volaille et d'œufs. En limitant les importations, je peux déterminer c'est quoi les besoins canadiens. Et. Les producteurs canadiens produisent pour euh, répondre à ces besoins-là. Ah oui, okay. Donc, on est capable de négocier. Comme on connaît la, la, la taille du marché, puis qu'on ne peut pas en importer plus, bien là, on s'assoit ensemble, producteurs, transformateurs, et euh, selon les besoins, puis on, on partage le marché entre les provinces et entre les producteurs. Donc, de cette façon-là, les producteurs ont des revenus assurés sur des volumes connus. Okay. Alors, ça permet d'avoir des fermes qui sont rentables avec un soutien euh, financier direct. Euh, ben, il n'y en a pas en fait. Ok. Et, et a cette abolition direct. là, comme tu dis, tu donnes l'exemple des œufs. Ils pourraient fournir. Euh... Oui, c'est sûr que si on prenons les Américains, on abolit la gestion de l'offre au Canada. Ben, la première... premier, les trois cibles qui vont... dans lesquelles ils vont aller, c'est les marchés de Montréal, de Toronto puis de Vancouver. En attaquant ces trois marchés là. En parlant du Grand Montréal, Grand Toronto et Grand Vancouver, si j'ajoute Calgary, tu prends ces, ces villes-là au Canada, puis tu viens, tu as 60 du marché qui est là. là. Alors, ils ne vont pas aller euh, livrer des œufs à Yellowknife. Là. Mais s'ils attaquent ces trois marchés-là, puis ils font du dumping dans ces marchés-là, bien, ils viennent de, de détruire l'industrie euh, des œufs au Canada. Là. Alors, c'est c'est vers ça que ça nous amène. Et est-ce qu'ils ont les mêmes critères euh, euh, au niveau. Je prends la volaille, là. Nous, la volaille, on a mmh. des critères pour dire ouais. quand on met. Est-ce que je me trompe si j'ai déjà entendu dire que les Américains sont. Moins... Au niveau du bien-être animal, il n'y en a pas beaucoup de règles de bien-être animal. Euh, C'est beaucoup là-bas des employés, aussi sur les fermes, des employés euh, illégaux, euh, parce qu'il y a des travailleurs illégaux. Ah, mais là, ils euh... mettent un mur, là. Ils vont ouais, avoir mais, euh, justement, ça fait part à l'industrie agricole non, euh, oui, hein? euh, américaine, parce que s'ils perdent ces employés-là, ils sont vraiment dans le trouble. Là. Sur les fermes actuellement, porcines ou d'élevage, c'est des employés illégaux. Euh, donc, ils ont du salaire. Euh, et dans les usines de transformation aussi. Fait qu'ils arrivent à des coûts inférieurs aussi à cause de ces. Euh... C'est le principal avantage qu'ils ont aujourd'hui, les employés illégaux en agriculture aux États-Unis. Là, on est euh, à la mi-décembre. Hein? Oui. Qu'est-ce qui arrive là, avec les l'Alena euh, okay. puis les offres que tu qualifies d'extravagantes? Qu'est-ce qu qui qu -ce, à quoi on peut s'attendre? Si je comprends bien, de toute façon, les instances euh, euh, impliquées au, au gouvernement. Vous vous entendez bien. Ouais. Il a l'air d'avoir une cohésion ouais. entre tout le monde, mais qu'est-ce qui va arriver? Là? En fait, le Canada, les provinces, tous s'entendent pour dire que les demandes américaines sont extravagantes et inacceptables. Alors ça, il n'y a pas de, de, de Bon, ce qui pourrait arriver. Le Canada va continuer de négocier au mieux. Euh, va rester à la table. Mais si éventuellement les États Unis disent Parce qu'il n'y a pas de progrès, nous, on se retire, puis le président Trump décide que. Moi, je, pour moi, c'est la fin de l'ALENA puisque la négociation n'a pas réussi. On a commencé à faire des, euh, des scénarios. Bon, ça nous amène nous la fin de l'ALENA. C'est sûr que on a maintenant l'entente de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Les États-Unis et le Canada sont membres de cette organisation-là. Donc, si l'ALENA si ne s'applique plus, c'est l'OMC qui s'applique, et dans bien des domaines. L'OMC ne serait pas défavorable par rapport à l'ALENA. Euh, les Américains ne pourraient pas euh, ajouter des nouveaux tarifs, ou ils seraient très limités sur les nouveaux tarifs qu'ils pourraient ajouter, mais ça ne les empêcherait pas non plus d'agir unilatéralement comme ils le font dans le bois d'œuf, oui. comme ils l'ont fait dans les C-Series avec euh, les avions. Les euh... avions oui. Alors, c'est sûr qu'ils sont puissants, ils sont gros, puis ils imposent leurs conditions. Euh, si tu pas, ils imposent leurs conditions. Mais le Canada, on a toujours vécu à côté des États-Unis, ça a toujours été la situation, puis ça va continuer de l'être, avec ou sans l'ALENA. Donc, euh, idéalement, oui, on devrait conserver l'ALENA, si on... le, le mieux, ce serait ça. Mais si on ne peut pas conserver l'ALENA, bien, il y a l'OMC. Puis, il faut se faire à l'idée qu'on va toujours vivre à côté d'un voisin... On euh, peut pas déménager qui peut imposer... pays, hein? On peut pas se déménager, non. qui va toujours vouloir imposer ses règles. Alors, il y a, dans l'ALENA aussi, il y a toute la question de la culture. Il y avait un chapitre sur la culture qui est, euh, est remis en question. Tous les règlements des différents qui permettent, lorsqu'il y a des litiges, d'avoir un arbitrage euh, neutre pour décider qui a tort ou raison entre les pays en litige. Les États-Unis veulent enlever ça. Ils veulent rajouter une clause, une clause crépusculaire. Donc, à tous les cinq ans, tu es obligé de renégocier. Et si la négociation échoue, c'est la fin de l'entente. Donc, il n'y a, a pas d'investisseurs, de multinationales qui vont investir en, sa, en sachant pas qu ce qui va arriver après cinq ans. C'est ça, oui. Alors, c'est plein d'obligations de, de, comme ça que les États-Unis veulent introduire dans l'ALENA qui font que pour le Canada, ça devient inacceptable. Est-ce que la présence euh, du nouveau président des États-Unis y est pour quelque chose? N définitivement. Définitivement. Quand M. Trump dit euh, « America great again ben », c'est uniquement en fonction de la politique intérieure des États-Unis. Ils sont de moins en moins soucieux de la politique euh, extérieure, des conséquences de leurs décisions mm -hmm. sur la politique ex extérieure. Euh, on l'a vu en fin de semaine avec euh, la décision qu'ils ont prise euh, de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Ça ne donne rien... Au niveau mondial, c'est le chaos, mais au niveau intérieur, ça, les Juifs aux États-Unis sont contents de M. Trump et ils vont mieux ou plus collaborer au financement de ses campagnes. Alors, c'est une décision intérieure de reconnaître Jérusalem comme étant la capitale d'Israël. De, de, ça, ça change rien là-bas, c'est pire. Ouais. Alors, c'est les États-Unis, c'est ça maintenant. Bon. Bien, merci beaucoup, Marcel. Ça me fait plaisir. Alors, chers amis, j'avais le plaisir, euh, comme je vous l'ai dit, de recevoir le président de l'UPA comme cadeau, puisque c'est la dernière émission de l'année 2017. J'en profite pour vous souhaiter de passer de joyeuses fêtes et je vous invite à nous revenir en 2018, l'année prochaine. Au revoir.